là. Beaucoup de braves, la brave, la brave. Regarde comment ils parlent. Ça y est, ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. T'as pas de faire aussi moi. Ouais, 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 voilà. Hey, la dame, la petite là, parlez à beaucoup de bien. Ça te fait exprès. Ça avance pas. Juste une petite distance. Ouais, ouais, voilà. Il n'y a rien ici, là, je sais pas. C'est calme aujourd'hui. C'est calme aujourd'hui. Gardez vos forces pour les agriculteurs. Oh, tu sais, j'ai eu le droit. Mais pas comme ça. Je vous paye, monsieur, je vous paye. Votre salaire, il vient de moi. Et ouais, je participe à votre paye, moi. Steph, c'est moi, il n'y a pas de salaire. Ils veulent le chaos. Ordonne chaos. Ils cherchent le chaos. Ah, il est mal poli, monsieur. Ils cherchent le chaos. Monsieur ? C'est la brave qui prend le relais. C'est pas cher. Ah, il est malin. Mais il est malin. Monsieur. Monsieur. La brave prend le relais. La brave prend le relais. La brave prend le relais. Elle rentre chez elle, la dame. La brave prend le relais. Ici, voilà. Paris. La brave prend le relais. Vous avez bien entendu, les gens. Ici, Paris. Mais qui garde leur force pour les agriculteurs la semaine prochaine? Donc je ne comprends pas pourquoi nous avons la brave, parce que... Bah oui, il n'y avait rien, il n'y avait rien qui se passait. On a les bleus avec nous qui sont super mignons, hein, c'est des provinciaux. Ils étaient gentils. Et ouais. La manif, elle est super cool, parce que bon, on n'est pas nombreux. Ouais, mais ils veulent... Mais voilà l'État français, ce qu'ils nous envoient. Ouais, parce qu'ils veulent le chaos, ils veulent la le chaos, ils veulent que ils les gens... ils ne sont pas si braves que ça. Il faut l'ordre mondial, il faut tout changer, il faut par chaos, tu vois. L'ordre mondial, t'as compris ou pas? Ah, ils sont bien les francs-maçons. Regardez ce qu'ils nous emmènent, ce qu'ils nous envoient les francs-maçons. C'est pas Macron qui nous les envoie. Ce sont les francs-maçons qui veulent diriger le monde. David Leloup, il est là. On est devenus des vieux. On est vieux maintenant, on a 6 ans de plus. On est des chibanis. C'est pas un gamin de 10 ans, hein. Il a quand même... Il peut être ton grand-père quand même. Donc je pense que l'attraper comme ça, c'est pas un monde de 10 ans les jeunes. Hein. C'est des chibanis. À un moment donné, soyez correct quoi. Bah oui, jeune homme, sois correct. Nous, on n'a pas le droit de vous toucher, de vous attraper par l'épaule, mais vous vous donnez ce droit-là. Okay, voilà, allez, ça part. Allez. Eh ben merci Francine, c'était Francine, la street medic de la première heure. Allez, va là-bas, toi. C'est là-bas. Allez, reculez, parce qu'il ne faut pas leur donner de la force. La semaine prochaine va être difficile, c'est les agriculteurs qui montent. Gardez vos forces. Allez, on fait nous, c'est l'anniversaire aujourd'hui, on est calme. Non, il ne faut pas leur donner de l'importance. Allez, on... Ouais. Allez, ouais, t'as raison, pardon, excuse-moi, c'est ma trottinette de merde. J'irai voir. Oui. David, il est là. Avant, il ne s'approchait pas. Maintenant, vous voyez, les temps changent. Ils se mettent là. Avant, c'était tout le temps, quand il y a beaucoup de monde, je m'en rappelle. Allez, papy! Ah, tu vas aller devant pour aller où? Tu vas aller où? Nous, on va pas là-bas. C'est là-bas. Non, mais là, commencez, Là, tu recules, c'est l'autre côté. Hey, David, qu'est-ce que... Hey, David. David, qu'est-ce que tu penses? Dans le temps, la brave, elle restait tout le temps loin derrière. Et là, maintenant, t'as vu, ils sont près de nous. C'est pour... Je pense qu'ils ont eu des ordres. On ne cherche pas toujours à comprendre quels sont les ordres. Mais la semaine prochaine, il faut qu'ils gardent des forces. Je suis très content qu'elle ait Maya Salah. La semaine prochaine, c'est les agriculteurs. Ça va être...
Mais tu sais ce qu'il y a ? Il y aura une tempête de neige. Comme on ça va tout. Deux, deux, trois jours. C'est là maintenant le principal. C'est compliqué avec les gilets jaunes. Allez, allez, on y va. Allez, allez, bon week-end. Ouais. Bon week-end. Voilà, nous sommes devant la porte Strasbourg-Saint-Denis. Le triomphe de la porte Saint-Denis avec la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis. La fameuse rue Saint-Denis. Viens, viens, viens. Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Bravo. Taria, Taria, Palestine. Voilà, nous arrivons sur les grands boulevards. Les boulevards, bonne nouvelle, nous sommes sur le Bonne Nouvelle. Voilà, et nous allons en direction de la place Blanche, Moulin Rouge. On va avoir de la côte, c'est côte en montée, deux côtes. Eh, hey, je filme devant. Je filme devant. Eh, hey, vous savez, on était tranquille quand il n'y avait pas de machin, là c'était bien parti, puis d'un seul coup. Hein, comme d'habitude. Non, ça va. Là, ça se passe bien, mais c'est ça. Bien. Toujours la trottinette. Toujours, bah ouais, moi sinon. Pour être là tous les week-ends pendant 6 ans, si j'avais pas la trottinette. Vous êtes courageux. J'ai arrêté là. Bah c'est ça, oui, mais t'es là au moins pour les bonnes occasions. Ça fait plaisir. Ah, bah là, aujourd'hui, je voulais sortir. J'étais prêt à aller à la maison. Je me suis dit, c'est la maison. Aujourd'hui, c'est la maison. Voilà. C'est, bah, ça fait du bien. Quoi. Non mais ça fait du bien, tu sais, notre cœur, on est tous reliés quelque part quand même. Ah ouais, tu vois, le cœur il vibre, hein, t'as vu, hein. C'est la meilleure chose que j'ai fait en 10 ans. Hein. Voilà, c'est ça. Et je suis toujours là-dessus. Parce que quand vous allez sortir de la manif et que vous allez reprendre le métro, que vous allez voir la tête des gens, vous allez dire, bah, j'étais bien à la manif. Ah ouais. Hein, ah ouais, j'ai raison ou pas, c'est pas... Voilà. C'est le bien commun, c'est ce qu'on a voulu. J'ai une vie classique, tout va bien, je repris, mais ça ne me passera plus jamais. Voilà, c'est ça. Et moi, je dis que grâce aux Gilets jaunes et à tous les youtubeurs du gré des Gilets jaunes et tous les liveurs, on n'a pas fait la pique. Voilà. Et par contre, moi, mon problème, c'est que je ne peux plus voir les bleus, moi. Je peux plus. J'ai une haine, il faut que je reste à la maison. C'est ça, c'est la gamelle. C'est leur boulot. Voilà. Non, ils font pas leur boulot, c'est des salopards. Ils nous ont quand même massacrés. Hein. C'est ça. Non, il y a eu beaucoup de mutilés. C'est plus une république, c'est plus. Et puis ils représentent pas. C'est une mafia. Voilà, ouais, ils représentent pas le peuple, ils représentent des intérêts. Ouais, mais nous on le sait qu'ils ont un plan. Ils ont un plan. Ben oui. Un plan qu'ils veulent un ordre mondial. Ouais, il avait dit mort, l'autre. Mort, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on le mettra à l'ordre mondial. Et c'est ce qu'il avait dit. L'ordre mondial. C'est ça la merde. Le seul problème, c'est qu'ils vont être très dangereux dans les mois qui viennent. C'est ça, parce qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils sont en train de crever, donc. Ils sont prêts à tout, voilà, c'est ça. Bon, bah merci. Je vais pas filmer, je filme devant. Allez, salut, merci. Voilà, c'était deux gilets jaunes de la première heure. Voilà, on va finir sur Jésus, il est là aussi. Voilà. Voilà, et ben, à tout bientôt. Merci pour tout. C'est les 6 ans. Merci pour tout. Bise. La bise.